Ah, YouTube, le niveau, il est trop dur, du coup, ça fait deux fois que je le recommence et deux fois que je théorycraft un truc. Le niveau, en gros, comment il se fait? Il y a une petite ferme à placer ici dès le début, qui va rapporter 40 gold par tour, donc qui est vraiment forte. Et à côté, donc là, on va avoir des volants, beaucoup. Des sprinteurs, des inconnus, des insectoïdes, bien évidemment, des mobs maudits. Et surtout des mobs en armure qui font vraiment chier. Okay, là, le problème à l'heure actuelle, c'est l'armure. On a un nouvel équipement qui s'appelle la baliste, qui fait énormément de dégâts de perforation et de pénétration, qui a une portée de 24 mètres, donc plus que l'arbalète, moins que la catapulte. Et par contre, qui fait 40 de dégâts toutes les 0,5 secondes. Donc en vrai, c'est vraiment fort. Et le premier carreau transperce le deuxième et fait 50% sur le deuxième ennemi. Donc le but, ça va être de réussir à se placer correctement pour maximiser les dégâts. Là, j'ai réfléchi à un truc sympa pour l'early game, mais la question c'est comment est-ce que j'exploite le dolmen qui pourrait faire deux fois plus de dégâts. Donc est-ce que je mets une arme, enfin est-ce que je me débrouille pour mettre une baliste ici par la suite ou pas, on verra. Là pour l'instant, le début, c'est plutôt carré. C'est plutôt carré, on va pas trop se casser la tête. De toute façon, il n'y a pas grand moyen de faire autrement, je pense. Tu places ta petite ferme. Tu maximises le DPS autant que tu peux, t'améliores ta tour d'archer dès que tu peux. Et tu la passes même au niveau 3, il me semble. J'avais passé au niveau 3, je crois, tout à l'heure. Quoique, non, je l'ai pas passé au niveau 3. Si, je l'ai passé au niveau 3 à cause de ça. À cause de lui, là. Lui m'a obligé à la passer au niveau 3, je crois. Il me semble. Ouais. Si je passe mon niveau 3, il passe. Bah, la preuve. La preuve. J'ai voulu grid vite fait. C'était pas le moment. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Ça valait bien le coup de Theorycraft des centaines de milliers d'heures là. Allez, allez, allez. On n'a pas le temps. Il est déjà 23h30 ici. J'ai passé une dure journée. Faut se bouger. Pam, 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 pam. Bon, le niveau est dur. Le niveau, pardon, il a l'air d'être quand même vachement dur. Hein. Waouh, pour l'instant, c'est compliqué. Hein. En plus, j'ai pas de quoi de façon reposer une tour. Donc. Ouais, on n'a pas de quoi reposer une tour. Bien. Donc, ça, c'est fait. Il y avait un deuxième truc que j'avais. Quoi? Wesh. Wesh. C'est random? C'est... Attends. Je l'ai placé, je vous jure que c'est vrai. J'ai placé la tour exactement au même endroit que tout à l'heure. Il y a un problème là. J'étais bien là tout à l'heure. J'avais pas mis là. J'étais bien là. Parce que là en plus ça m'embête là. Moi je vais la laisser là ma tour. Tout à l'heure ça avait marché, wesh. Attendez, attendez, c'est une dinguerie. Ce qui vient de se passer, c'est une dinguerie. Ça peut être random, genre? Non. Le jeu m'a trollé, c'est tout. Avouez-le, le jeu m'a trollé. En vrai, c'est. Est-ce que ça passe là, si je la laisse niveau 1? Non, ça passe pas niveau 1. Ah, je tente des trucs, je tente des trucs, je tente des trucs, je devrais pas. Je devrais pas, je tente des trucs, je devrais pas. C'est terrible. Bon, par contre, là, si le ninja y survit, je craque. Je craque. Mais j'ai vraiment pas envie de perdre de l'argent parce que c'est vraiment dur le jeu là. Papam, parapam. Papam, param, pam. Bon, là, elle est niveau 3. Comme tout à l'heure. Lui, il va arriver. Il a 40 HP, résistant au gel, esquive un tir sur deux. Mais ce qui vous me direz en VOD si j'ai fait un truc différent. Pour l'instant, je. Alors, est-ce que ça passe la thune? Alors oui, mais c'est de la merde. Et c'est de la merde. C'est de la merde de fou. C'est de la merde de fou. En vrai, vraiment. Déjà, j'ai grid tout à l'heure. Je vais laisser ça là. Je vais laisser ça là, je pense. Après, en vrai, j'avoue que je sens très mal. Je l'avais mise au-dessus ou non? Parce que là, en vrai, ça tire tout là. Là, en vrai, je perds vraiment beaucoup de DPS, je pense.
Mais ça m'embête d'avoir cet endroit-là qui sert à rien. Ok. Voilà, 88 gold. Ensuite, là c'est quoi? On a des volants et un inconnu. Hop là. Vraiment, la catapulte, beaucoup trop fort. La catapulte qui a l'air aussi d'être un assez gros anti-ninja. Ça, c'est bien. Next phase, les insectoïdes. Donc, on passe la catapulte au niveau 3. Normalement, on devrait être tranquille. Il y a le boug en armure là qui casse la tête. Pour l'instant, ils font pas le foie. Ok. 102 gold. Ok. Maintenant, on arrive à partir des manches compliquées. Donc là, on a eu un petit starter sympa. Et maintenant, il faut gérer. On va avoir des insectoïdes et des inconnus. Pour l'instant, ça c'est pixel. On pourrait build à partir de la fin. J'aimerais bien aussi refaire mon petit paf. Au moins, comme ça, je serais sûr de pas oublier. Et il faudrait commencer à placer les. Déjà, il va falloir que j'arrive à placer un slow quelque part qui soit vraiment efficace. Bon, à mon avis, ça va être ici. Genre là, tu vois. Là, un slow. Attends. Si je mets un... si je le monte au max. Ah ouais. Ok. Ok, c'est pas mal. Et là, en gros, après, baliste. Genre, baliste là. Là, on baliste là, info sûre. Et après, on verra. On va voir s'il y a des... S'il n'y a pas d'armure, normalement, ça passe. Faut voir. Non, ça passera pas à 100%. Ça ne passera pas. Donc ça, c'est ça, faudra le faire à la prochaine, pas maintenant. En vrai, ça passe pas loin, ouais, mais c'était ok. Ok, ça marche. Donc l'amélioration après, là pour l'instant, on maximise les gold. On maximise les gold et donc ce sera une baliste ici et un slow. Parce qu'il y a aussi, maintenant il y a des ennemis qui résistent au slow. Ça c'est chiant par contre. Les ennemis qui résistent au slow, c'est pas marrant. La question c'est, est-ce que j'aurai l'argent pour mettre une deuxième baliste? C'est ça qui m'inquiète. Pour l'instant ça se passe bien. Et là le début des problèmes. Donc j'ai rajouté une baliste qui devrait faire le taf. On n'aura pas autant de slow que tout à l'heure, mais... Après j'ai rajouté 10 gold dans le vent. Ça c'est un peu dommage. Ça va pas tenir. Ça va pas tenir. C'est pas loin, mais les 10 gold là m'embêtent. Ouais, ok. Sans les 10 gold, ça passe. Ok, sans les 10 gold, ça passe. Chaque gold est important, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Donc. Après, je dis 10 gold, mais en vrai. Hein, là, ce que j'en pense. Donc, ça. Et on a dit que potentiellement. Là, ça devrait être assez. Et la question, c'est est-ce que je pose un truc en plus? Bon. Là, déjà, si j'arrive à reposer une baliste, c'est un miracle. Ça devrait passer. Ok, c'est passé. Parfait. C'est passé de fou. Maintenant, il y a un nouveau problème qui va se créer, c'est l'armure. Je pourrais dépenser des gold pour foutre une baliste ici pour détruire l'armure vite fait en early, mais je ne pense pas que ce soit worth pour le moment. Donc on va essayer plutôt de capitaliser
sur l'endroit où je vais vraiment pouvoir faire pas mal de dégâts. La question, c'est comment je me place. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre un slow là déjà ? Non. En vrai, le slow ici sera vraiment trop fort. Donc celui-là, je vais le garder. On va le... Alors, je sais pas si je vais le maxer par contre. Là, je pense que... J'aurai jamais l'argent pour mettre full baliste. Donc on va essayer de maximiser ça. Et... Il manque encore des gold et là, je vais remettre un truc. Ok ! C'est parti pour les problèmes. Je crois que la première vague d'armure, tout à l'heure, j'ai réussi à la passer. C'était chaud, mais je l'ai passé. Là, dans l'idéal, il faudrait que je remette ça. Ok, donc ça, donc là c'est largement passé. C'est largement passé. Maintenant, là la manche, ça va être des armures très très lourdes et des insectoïdes. Donc les insectoïdes, c'est géré par la catapulte. Les armures lourdes, malheureusement, j'ai pas de quoi trop les gérer. Je pense qu'il va falloir que je maximise le slow et surtout que je build sur la fin de la map. La fin de la map, il y a un point stratégique. Je pense que là, une baliste, ça va être trop fort. Mais la question surtout, c'est de savoir ce que je vais foutre ici. Parce que si je mets une baliste en vrai, on est bien. Mais j'ai un peu peur de ça. Mais je pense qu'en vrai, ça va être la solution. Après, là, pour l'instant, j'ai pas amélioré la première baliste. Ok. Je vais buter seulement si c'est nécessaire. On va améliorer le slow à fond. Parce que celui-là, par contre, il carry vraiment fort. Et dans l'idée, il faudrait que j'améliore ça au niveau 2, je pense. Ok. On va voir si ça passe. On va voir si ça passe. Déjà pas mal de gold, donc on va pouvoir tenter une baliste niveau 2. Ensuite il y a la baliste niveau 3, qui a l'air vénère. Ça a l'air d'être vénère. Les premiers slows. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Holy shit. Ah ouais, les balistes améliorées direct, mon ref. Oh ! Ouais, les dégâts. En vrai, ça peut passer comme ça. Hein. Là, quand elle va commencer à retirer, en vrai... Non. Ouais, tu vois, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Après, ça passe pas, mais parce que j'ai dépensé pas mal de slow et le slow est pas si efficace. Le slow est pas si efficace. Ok. Est-ce que j'ai assez pour mettre deux balistes? Parce que j'ai craqué. Là, je suis à 75. Je craque 30 gold quand même. Je craque 30 gold. Un peu plus. Mais je pense que potentiellement, ce qui serait le plus smart à faire, ce serait ça. Parce que je pense qu'avec ça, je fais vraiment beaucoup de dégâts à la fin. On va tester. Là, c'est bon, il va falloir tester. Là, j'avoue, j'ai pas toutes les données. Après, forcément, donc, améliorer ça, ça me paraît mandatory. Ah ouais, non, il y a une différence de fou en termes de dégâts entre niveau 1 et niveau 2. Je pense vraiment la niveau 2 qui arrive beaucoup plus que juste deux balistes en fait. Donc à la rigueur, c'est là que je dois passer au niveau 2. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Boum. Parce que là, il y a beaucoup de cases de slow, donc je pense que ça va le faire. Bon, ça fait beaucoup à taper. Est-ce que ça va passer? C'est vrai qu'il y a la fatigue aussi qui peut taper. C'est parti. Moins 1, moins 2, moins 1, potentiellement moins 2. Il y a la fatigue, il y a la fatigue, il y a la fatigue, avec la fatigue ça peut carry. Avec la fatigue ça peut carry. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Allez, 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 allez. Non, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez, mais de pas beaucoup. Hein. Vraiment, il manque un coup quoi. Il manque un coup. Un coup, ça se trouve. Un coup, ça se trouve. Ça se trouve de fou. Ça se trouve de fou. Je pense qu'en vrai, juste j'améliore ça. J'améliore ça au niveau 2 d'entrée, et dès que j'ai les golds, j'améliore celle-là. Après, quoique... Ah ouais, mais du coup, je perds quand même pas mal, au final. Alors, je passe au niveau 3, ça. Au niveau 3, ça paraît dur.
passer au niveau 3, ça paraît quand même compliqué. Non, je passe celle au niveau 2. Allez, courage, courage. C'était pas la bonne solution. Ok. Bon, ce qu'on peut tenter alors, c'est améliorer les arbalètes. Bon, les arbalètes, ça s'améliore quand même beaucoup plus facilement. Ça, au niveau 2, c'est quasiment sûr. Après, en vrai, est-ce que c'est... Ah, bon, de toute façon, on va tester. On va tester c'est quoi le mieux entre une arbalète niveau 2, ou du coup, bah... Enfin, deux balistes, pardon, au niveau 2, je me perds. Ou plutôt, les arbalétriers au niveau 3. Parce qu'en vrai, ça fait quand même beaucoup de potentiel tir. Et en plus, derrière, je pourrais la monter au niveau 2. Faut voir. Ah mais ouais, celle-là, c'était peut-être pas le bon plan. Ok. Ouais, je pense que je sais ce que je vais faire. Allez, allez. Ouais, niveau... Ça fait pas mal, mais malheureusement, c'est pas dingue. Donc en vrai, je pense que j'avais raison. Ok, j'avais raison de fou. J'avais raison de fou. Stop, on retourne à la Vaxis. On retourne à la Vaxis. On retourne à la Vaxis. Là, je crois que j'ai besoin de rien. Au pire des cas, j'ai mis ça au niveau 2, quoi. Je sais plus ce que j'avais fait tout à l'heure pour passer. Après, j'étais passé assez large de mémoire. Donc je pense que ça le fait. Enfin, j'ai juste pas mis le slow. C'est ça que j'avais mis. J'avais peut-être mis un slow en fait. Alors, est-ce que ça passe ? Ça passe. Là, niveau 3. Niveau 3. Sachant que je vais gagner 30, enfin, je vais gagner 20 gold. Donc il y a un monde où je pourrais passer. Ah ouais, mais celle-là, j'aurais dû la mettre là en fait. Je suis un connard. Ok. Bon. Ok. On va retourner à la vague 5 direct. Je retourne à la vague 5 direct. Est-ce qu'il y a de l'armure là ? Il n'y a pas d'armure. Ça passe alors. S'il n'y a pas d'armure, il me semble que c'est free. Après, dans tous les cas, on sait qu'on va foutre une baliste, ici. Et là. Ouais. Hop là. Normalement, là, c'est bon. Dans l'idéal, faudrait que je tège ça pour une baliste quand j'aurai de l'argent. Okay. 78 gold. Donc j'améliore ça. Donc là, pareil, on y retourne. Là, c'est les premiers armuriers. Donc là, je devrais passer sans difficulté puisque j'ai réussi à passer tout à l'heure. Dans le pire des cas, je peux mettre un slow si nécessaire. On va essayer de voir si ça passe sans slow. Si ça passe pas sans slow, j'en rajouterai. Et dès que je peux, j'améliore ça au niveau 3. Je pense que ça passe. Ça passe. Bien, ça niveau 3. Là, je pense que je vais devoir mettre un slow par contre, quand même. Je vais essayer de faire 100 avec deux balistes déjà, on va voir ce que ça donne. Une niveau 3, une niveau 2. Là, normalement, le golem meurt maintenant. Bien. Alors
Fais voir. Dommage. Oh, ils ont beaucoup d'HP quand même. Putain. Ils ont vraiment beaucoup d'HP. Ok, ça passera pas. Ah, la vaccette, elle est compliquée, hein, les refs. Hein. Yikes. Putain de merde. Après, j'avais eu des bons résultats. Pardon, des bons résultats tout à l'heure avec ça. Là en plus, ça va pouvoir me permettre de la passer au niveau 3 quand même. Je sais pas par contre si je dois la passer au niveau 3 ou plutôt essayer de. Après, je peux aussi mettre des arbalètes. Ça peut aussi faire une grosse différence. En vrai, même déjà là, je pourrais mettre une baliste. Ça serait utile, mais plus tard. Deux balistes niveau 2 peut-être. Là je pourrais poser par exemple des arbalètes qui pourraient faire une différence monstre. Là il y a toujours le slow qui est actif. Ok. Ok, c'est à peu près even, je m'en suis mieux sorti là-dessus. En gros là je pense que en rajoutant ça, ça pourrait le faire, par exemple. Bon j'aurais pas assez là, mais ça pourrait le faire, ok. Mais ça ne suffit pas. Donc en vrai, le slow est pas dingue. Enfin, le slow sert bien, mais il est pas assez. C'est... Ça vaut pas le coup de le mettre au max. Donc peut-être que ça. Si je l'améliore, ça fait combien? Ah, mais ça change pas le gel. Ok. Ok. Et du coup, là, peut-être que. Je vais y aller à tâtons. Je vais y aller à tâtons, y'a pas trop de choix. Ok. Alors, peut-être que là, ça va mieux le faire. Je sais pas. Elle est niveau 3. Hein. Donc là, normalement, la front lane, déjà, je vais pouvoir l'éclater. Après, je perds en range aussi. Hein. Je perds en range pas mal. Faut pas dormir. Ok. Donc là, j'en ai posé 3. Est-ce que c'est pas le pire try que j'ai fait? Là je les ai pas améliorés, je peux les améliorer vite fait mais je pense pas que ce soit intéressant. Non ça passe pas. Ça passe pas putain. C'est trop chiant. Ah ouais. Ok. Alors ce qu'on pourrait changer, à mes yeux, ce serait de mettre une baliste ici du coup. Ça pourrait faire la différence dont j'ai besoin. Et celle-là, je pourrais la passer au niveau 2, genre. Mais j'ai un gros doute. En vrai. J'ai un énorme doute même. Parce que là, ça va faire. Ouais, ça, en vrai, c'est... déjà, ça, c'est fort. Ouais, je peux repasser une baliste là. En fait, c'était ça qu'il fallait faire, j'ai l'impression. C'est pas dingue forcément, mais je devrais pouvoir récupérer déjà pas mal de dégâts avec ce que je viens de faire. On va essayer d'en mettre. Mettre des dégâts supplémentaires ici. Ok. Je pense que là ça passe. Je pense que ça passe. Alors attends. Parce que. Ouais, par contre, là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde un petit peu. C'est que j'aurais pu. Ouais, ok. Donc celle-là, en fait, elle est pas ouf. Et en mettre deux là, ça aurait peut-être été mieux. Je sais pas trop.
dans l'idée. Ouais, celle-là, elle a passé au niveau 2, ça pourrait être bénef aussi, parce qu'elle a tapé longtemps, mine de rien. Mais... en fait, le truc, c'est que je sais pas trop si c'est mieux de la mettre niveau 2 là ou là. Je pense que ce sera mieux quand même là. Il a comme ça, et puis il m'a empris. On prie. Parce que non, en vrai, vraiment, là, je fais pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est... c'est terrible. Attends. Non, ça... non. Il manque un gold. Il manque un... Non. Il manquait un gold slash deux hits. Ok. Il y a un truc. Bah du coup, en fait, le gold qui manque, c'est la mauvaise position de ça. En fait, c'est ça. Les golds qui me manquent sont là. Bon, tant pis, hein. On va tester autre chose. En vrai, ça vaut peut-être le coup. Faut voir. Normalement, je devrais pouvoir faire ça, replacer une baliste ici et voir ce que ça fait. Putain, c'est dur! Dommage, hein. Après, un slow peut faire la différence aussi ici. Faut voir. Du coup, j'aurais plus de gold normalement. Non. Là, il manque... en fait, il manque un gold dans le niveau, genre. En fait, c'est dans le niveau qu'il manque un gold MDR. Putain, j'ai trop les nerfs. Donc là, est-ce que ça fait une grosse diff? Ouais, quand même. C'est quasiment even. Mais je me suis mieux démerdé de autrement. En mettant là niveau 2. Okay. Il me manque un gold. Non, c'est pas possible. Après, tant pis, hein, si je dois vendre celle-là en fin de game pour passer à la suite, on le fait. Hein. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Hein. Tant pis. Hein. C'était trop close pour... parce que là, vraiment, en plus, je fais le max, quoi. Je pourrais aussi mettre ça là, mais je perds. Non, j'ai perdu. Ok. Faut que j'en rajoute un là. Après, j'aurais pu essayer en mettant pas ce bloc là, mais en vrai, ce bloc là est vraiment important. Donc ouais, let's go. Hein. Let's go. Tac. Attends. Ah oui, bah oui. bah oui. Ah mais attends, mais je suis con, je peux vendre ça. Ah, sur les bâtards. Je suis obligé. Merde. Close en vrai. Ah mince. Ouais, donc en vrai, le jeu... Je pense que le jeu est random, par contre. Ce qui me semblait pas avoir changé quoi que ce soit. Celle-là, je l'avais pas passé niveau 3. Ça, en vrai, je suis déjà très limité en gold, donc ça m'étonnerait. Là, il y a ça à positionner. Après, il me reste 11 gold. Sachant que je dois passer ça au niveau 2. Donc... ouais, du coup, attends, je dois passer ça au niveau 2. On va vendre ça. Ouais, en vrai, il y a juste cette tour-là qui fait chier parce que je la pose au tout début. Je la pose vraiment au tout début de la game.
Mais j'ai pas le choix. Et du coup après si c'est ici que je dois la vendre, c'est ici que je dois la vendre. Hein. Donc le jeu potentiellement il est random. Parce que j'ai pas là. Ça fait deux fois que j'ai fait la même chose et que j'ai pas forcément le même résultat. Moi que là j'ai un truc à faire en plus, mais je pense pas. Des dégâts ou du slow? Non, c'est bon là. Bon, on est d'accord, hein, c'est. T'as pas forcément. Non. T'as pas forcément les mêmes résultats, ok. Putain, si j'avais pensé avant, tout à l'heure c'était free, j'ai trop les nerfs. Ok. Tant pis, je vais recommencer jusqu'à ce que ça marche. Après à la fin il me restait encore 7 gold. Mais c'est un peu trop just je pense pour faire pour espérer quoi que ce soit. Merde. Non c'est bon. Ah oui non c'est bon, après je gagne les gold pour améliorer celle-là au niveau 2 et c'est bon. Ok. Il y a un petit peu d'aléatoire dans le jeu. Je sais pas si j'en suis content ou pas content en vrai, j'avoue. J'ai le droit de pas avoir d'avis. Mais... En vrai là je pourrais mettre un slow aussi. Hein. Un slow plus mettre ça derrière au niveau 2 mais je crois que ça n'avait pas marché. Mais après si je vends les deux de toute façon ça peut faire une sacrée différence. Niveau 3. Ah, je peux faire ça par contre. Ah ouais. Ah, je mets toutes les chances de mon côté là, c'est bon. No way. Ah mais du coup ça finit plus tôt. Ok, bon là c'était globalement le même résultat. Oh, il me manque pas grand chose, hein. Ça me fout les boules. On va essayer de mettre ça, voir si ça fait une diff. En vrai là, on va jouer avec les détails, hein, je vous le dis. Là, je vais jouer avec des détails. Ok. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Après, je peux aussi tenter de la mettre niveau 3. Celle-là, mais... Alors sinon de la vendre, carrément je pourrais en vendre une pour passer celle-là au niveau 3. Et être sûr de passer mais... Enfin j'ai failli int là. Ah mais le problème c'est que je peux pas vendre ça en fait. Moi je suis à 1 gold de près là. Ok, on a réussi. On a réussi, mais bon, là il y a des volants, de l'armure. Il y a encore de l'armure. Il y a encore de l'armure, frère, c'est trop. Fais chier. Ok, bon, du coup, c'est là que je passe niveau 3. On va voir comment ça se passe. De toute façon, là en vrai, ça va être du try. Hein. Ça va être du try de fou. Ça c'est pas sympa. Ok. Donc il y a beaucoup de volatiles. Je vais devoir rajouter. Est-ce que je peux faire ça sans niquer ma ferme? Non. Ok. Bah va falloir espérer que ça passe. Non, je pense que juste un niveau 2 devrait faire l'affaire. Parce qu'après il y a un niveau 3 qui se ramène et là après ils les détruisent. Inch'Allah. Non. Non, il y en a quand même pas mal qui passent sous le truc. Ok, on va tenter au niveau 3, c'est pas grave, c'est pas grave.
Hop, petit archer niveau 3. On va voir si ça passe. Ça passera pas. Spoiler alert, ça ne passera pas. Il faudra un slow. Ok. Ça marche. On va. Je vais tenter juste un truc. Je pense pas que ça va marcher, mais c'est vraiment juste pour tenter là. Ah, mais de toute façon, il manque des gold, MDR. Il me manque des gold, c'est pas de chance. De toute façon, non, en vrai, je vais devoir commencer à jouer. Donc, Alors, est-ce que ça peut faire une grosse différence ou non? Non, parce que ça va taper plus longtemps là, donc du coup, ça va quand même prendre plus de temps là. Ouais, ok, ça marche. Donc la question, c'est est-ce que je pète la ferme? Est-ce que je perds 10 gold pour être sûr? Ou à la place, est-ce que je remets encore... On va tester, on va voir c'est quoi le mieux. Parce que j'ai pas trop envie de niquer des gold, parce qu'en fait, au final, vu qu'il reste encore 3 waves, je vais perdre 30 gold, c'est beaucoup. Après, j'en investir aussi pas mal, là, mais bon. Bon, j'ai pas trop le choix, donc ce sera ça. Ici et ici, ok. Ouais, je vais la mettre au niveau 3, je pense, histoire de safe. Je suis même pas sûr que ça passe. Ça passe pas. Ok, va falloir en mettre une de plus. Ah non. Ok. Ça. Là, ça, comme ça. Mince. Et dès que... En fait, faut que je vois si j'ai assez d'argent pour level up une tour de slow. En gros, c'est ça qu'il faut que je regarde. Ça n'avait pas niveau 3 déjà, donc ça paraît chaud. Non, j'ai pas assez. Ça marche. Bon, est-ce que ça... Donc, il y a moyen qu'après, le jeu soit en train d'essayer de t'apprendre à devoir vendre et adapter ta map en fonction de ce que tu rencontres comme vague. Ouais, là, ça m'arrange vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Après, là, ça fait quoi? Alors, je pense que ça passe. Bon, je vais tester, de toute façon, je suis plus assez prêt en termes d'essai, là. Je suis plus assez prêt en termes d'essai. Attends, le speedrun. Alors, est-ce que ça passe? Normalement, ça protège, là, mais... Non, j'ai pas le temps. Tant pis. Je vais devoir utiliser le... Mince. Je vais devoir utiliser l'emplacement que je réservais pour le slow. Alors, du coup, j'ai fait une bêtise, mais normalement, ça devrait le faire quand même. Encore que c'est pas très sûr. Ok. Là, ça va passer à coup sûr. Immunisé au poison? D'accord. Là, il y a moins que le jeu vienne de m'apprendre que potentiellement... Ah, ou alors c'est peut-être juste leurs caractéristiques, mais est-ce qu'on pourrait pas débloquer d'autres trucs pour revenir après dans les niveaux inférieurs? Je sais pas trop. Ok! Golem. Ok. Donc là, il va me falloir potentiellement le slow que je n'ai pas. Dans l'idéal, il faudrait que je déplace ça ici, que je mette un slow là, mais j'aurais pas l'argent. Après, ça peut aussi passer au niveau de l'aérien comme ça.
Et j'aurais juste besoin de remettre une baliste. On va regarder. Mais c'est vrai qu'il y aura aussi, potentiellement moins de... moins de volatiles. Ah, c'est dur. L'apprentissage est très dur. En vrai, de vrai. Un jeu solo vraiment à l'ancienne. Ouais. J'aurais dû mettre ça au niveau 3, je suis bête. Ouais. Ah là, ça, ça va jamais passer. Oh là là. Ah ouais. En plus, mon arbalète niveau 3, elle a arrêté de tirer. Ok. Ok, ok. Oh, l'arbalète niveau 3, ça fait le café de baiser. Ok. Dommage. C'était close, en vrai, close call. Ok. Bon, celle-là, je vais la passer. Info sûre. Info sûre. Le seul truc qui m'embête, c'est que ça, malheureusement... Ah, c'est trop chiant. C'est trop trop chiant. Je perds tellement. C'est trop frustrant. En vrai, ça vaut combien? 23 gold. C'est pas assez. Ouais, c'était pas assez. Après, en vrai, je pourrais mettre ça au niveau 3 direct, déjà. Après, celle-là, c'est de la merde. Après, en étant niveau 3, peut-être que je vais réussir à tuer les insectoïdes en armure. Et faire en sorte que ça se passe un peu mieux. Mais j'ai un doute, quand même. Après, là, il manque du slow aussi. Si j'avais un slow, ce serait gold. Ce serait godlike. Celle-là fait vraiment chier ici. Tire pas pendant trop longtemps. En fait, j'ai quand même pu la mettre au niveau 3. Potentiellement mettre celle-là au niveau 3 serait plus intéressant. Et je devrais pouvoir monter ça au niveau 3 derrière, mais... C'est déjà trop tard. C'est malheureusement déjà trop tard, je pense. Parce que celles-là sont vraiment tanky. Oh! Ah, ils ont 600 HP aussi, frère. Eh, quoique. Eh, ça passe, hein. Bah, c'est passé de fou, en fait. Allez. Ok. Bon, c'était pas incroyable, mais j'ai pas perdu de gold. C'est tout ce qui compte. Et là, on va avoir un peu de tout. Donc là, clairement, le but, ça va être de renforcer... Je vais remettre une balise, là, par contre. Et dès que j'ai les gold, je l'améliore au niveau 2. Après, là, je pense qu'on va plus gagner beaucoup d'argent, les amis. J'ai trop envie de vendre ça là. J'ai vraiment trop envie de vendre ça. Vraiment. Y'a pas d'insectoïde, en tout cas ça m'a pas l'air. Je gagne pas d'argent. Okay. Bon, ça a fait du taf, mais malheureusement, ce sera pas assez. Ce sera clairement pas assez. Ça, c'est trop résistant, ça, vraiment, c'est honteux. Ok. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Ok. Last. Le titan.
C'est maintenant. J'ai un fond dedans, par contre. Vous noterez les efforts. Ok. Ah, j'aurais dû mettre le slow là, je suis trop con. J'aurais dû mettre, c'est là que j'aurais dû mettre le slow en fait. Trop con moi. Terrible. Ça aussi ça va être fort. Là-dessus, il faudra voir si je mets une baliste ou si j'ai assez d'argent pour mettre une baliste ou pas. Là au niveau du chemin je peux plus trop modifier. Enfin, Inch'Allah ça passe hein. Waouh. C'est tellement loose, mon dieu. C'est une arbalète niveau 3 qui va servir à rien. Comment on fait? Comment on fait, au secours? Comment on fait, au secours? Putain de merde. Oh là, l'erreur, en plus j'ai mis une arbalète niveau 1 au lieu d'améliorer celle-là au niveau 6. Honteux. Bien, tant pis, je vais continuer mes conneries. Là, je devrais. Après, là, je peux tout vendre. Ok, ouais, donc là, c'est Terminado. Terminado deux fois, ok. Ok! Y a pas de volant là. Ok, déjà, y a pas de volant, donc toi, tu sers à rien. Toi, en vrai, tu sers à rien ici, mais tu sers à quelque chose. Mais potentiellement ici, tu sers à rien. Donc là, déjà, en vrai, de vrai, ça, ce serait pas mal. Toi, en vrai, on va essayer de te dégager, parce que vraiment, c'est trop perdu. Il faut voir combien de gold je perds. Mais... Ensuite, ça. Donc là, déjà, ça, c'est mieux. Là, ça c'est mieux. Là, j'ai mis ça là, mais ouais, pas dingue. Là, je dois passer ça en élite. Toi, tu sers à rien. On va passer ça en élite. Ce sera quand même déjà mieux de passer là, je pense. En vrai. Quoique, en vrai. Attends. Attendez. Je dégage ça. Je passe ça en élite. Et encore que, potentiellement. Comme ça, ouais, ça pourrait être bien. Non, quoi que. Ouais, non, j'ai rien dit. En vrai, je vais perdre quand même beaucoup sur la baliste. Donc autant garder le slow, dégager ça et ça, passer l'élite ici. Bon, ça, je vais essayer de le garder. C'est surtout ça au niveau 3, ça au niveau 2... ça, j'aimerais bien têche pour mettre une baliste à la place. En vrai, de vrai. Parce que si je vends ça, je peux mettre que niveau 2. Ça m'embête un peu, en vrai. Ouais, ça m'embête trop. J'ai une baliste en bas à gauche aussi à rajouter. Ça va pas être si évident que ça, putain. Hein ? Oui. Ouais. Après, ce sera vraiment pour la fin. Ça, je vais laisser. Puis je vais augmenter au fur et à mesure. On va voir là. Ouais, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un slow là. Je sais pas si ça fera une. Attendez, parce que là, j'ai vraiment fait de la merde sur le misclick. J'avais dit que je vais mettre un slow là, potentiellement. Ah ouais. My bad. Je voulais revenir ici et mettre ça là. Que là en vrai ce sera mieux.
On va voir ce que ça va donner. Bon, après, je vais perdre l'opportunité de garder l'arbalète là, mais je pourrais la mettre ailleurs. Je sais plus à quel point j'avais été close ici. Je pense que ça s'était passé, mais c'était bien chaud à la fin quand même. Et c'est vrai, j'avais rajouté des trucs alors que non. Vraiment pas dingue. J'aurais peut-être pas dû revenir à la manche 10. Après tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais vendu ça pour ça. Reposer des arbalètes. Je pense que ça passe. Ça passe mieux, non, même, en vrai. Ça passe mieux, j'ai gardé un DPS de plus. Donc au final, je suis gagnant. Ça, vraiment, c'est inutile. Bon, ça, en vrai, je pourrais la laisser. Mais je pourrais aussi la foutre là. Clairement, je dois améliorer ça. Par contre, clairement, en fait, ouais, ça c'est vraiment trop chiant, ça. Bon, on va essayer de voir comment ça se passe. En vrai, elle est quand même pas mal utile, mine de rien. Ah, juste vraiment là. L'avoir là, ici, ça me terrifie. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est horrible. Vraiment, je suis trop dégoûté. Ah ouais, je suis trop dégoûté. En vrai, c'est vraiment close. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, je perds trop de gold. Putain, j'ai trop le seum. Je pense que c'est foutu. Je pense que je suis obligé de recommencer. Vas-y, j'ai tellement galéré, j'ai pas envie de recommencer. Putain. Oh là là. Ah, vraiment, ça fout les boules. Ça fout les boules. Parce qu'en fait, du coup, je suis obligé de la passer là. Le problème, c'est que du coup, bah ouais, j'ai plus assez, quoi, en fait. J'ai plus assez du tout. J'ai plus assez du tout. Ça y est, 3... En fait, là, le problème, c'est que vraiment, je manque d'anti-armure. Je manque d'anti-armure. Mais cette tour-là, à mon avis, elle est inutile. Quoique, en vrai, pas si inutile que ça. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Après, je peux vendre ça pour poser... Là, je peux vendre ça, poser ça. Et ça passe? Bah ça passe au final. Oh putain! Oh là, oh là là. Ok, bah ça va en fait, trivial. Fallait juste la bonne tech. Il fallait que la bonne tech. Ah c'est gagné bordel. Oh le boss de fou. Oh le boss de fou. Oh comment c'était dur. Oh comment c'était dur. Et j'ai sué hein. J'ai sué premier degré. Bon bah écoutez pour la suite en vrai de Artisan TD, je pense que ça va juste dépendre de si ça vous a plu déjà sur YouTube, si ça vous a plu sur le live. Et voilà hein. En vrai. Donc n'hésitez pas, YouTube dans les commentaires, tu dis ce que t'en penses, tu dis si t'as aimé, tu mets un petit like, juste tu regardes en fait, juste tu regardes. Et s'il y a des vues, et ben j'en referai sûrement. Sinon je pense que je le garderai peut-être pour des lives ultra détente, voilà des petits objectifs comme ça par-ci par-là. Mais en tout cas très content d'avoir terminé enfin cette première île. Cette première île, on le rappelle, c'était que la première île. Des bisous YouTube, moins d'une heure, j'espère que tu notes l'effort.
Moi j'ai apprécié en tout cas, et à bientôt. Salut.